Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un premier roman, celui d'Etaf Room, Le silence d'Isra, qui est paru aux éditions de l'Observatoire, donc cette année, en janvier. Voilà, un merveilleux roman. Je crois que ça fait très longtemps que je n'avais pas été autant happée par un incipit, et quand je dis happée, le terme est vraiment juste. Quand on commence ce livre, c'est impossible de le lâcher. Si réellement on le lâchait, on aurait l'impression d'abandonner donc les deux héroïnes principales, Isra et Deya, à leur sort. Et cet incipit, il est tellement beau que ben, j'ai envie de vous le lire. Donc voilà comment commence le roman. Je suis née sans voix, par un jour nuageux et froid à Brooklyn. Personne ne parlait jamais de ce mal. Ce n'est que des années plus tard que j'ai su que j'étais muette. Lorsque j'ai ouvert la bouche afin de demander ce que je désirais, j'ai alors pris conscience que personne ne pouvait m'aider. Là d'où je viens, le mutisme est la condition même de mon genre, aussi naturel que les seins d'une femme, aussi impératif que la génération à venir qui couve dans son ventre. Alors c'est un très beau roman sur l'histoire de femmes. Ça commence donc dans les années 90. Isra, c'est une jeune Palestinienne de 17 ans qui rêve de la grande vie, d'émancipation, de liberté, qui se réfugie dans la lecture pour imaginer tout ça. Et puis elle regarde des séries américaines qui lui donnent l'inspiration pour vivre une vie différente de celle qu'elle connaît. Pour autant, Isra va être mariée de force par son père. Elle doit suivre son mari aux États-Unis puisque ce dernier est parti, enfin sa famille est partie vivre pour fuir la guerre. Donc elle part avec son mari, toute jeune épouse, s'installer à Brooklyn. Donc elle est contrainte d'accepter son sort, de ce mariage de choix, le choix de son père et non un mariage d'amour. Elle imagine malgré tout qu'il sera peut-être la porte ouverte vers cette liberté qu'elle espère trouver. Donc elle se dit libérée de la pression patriarcale, des traditions du pays puisqu'elle vit aux États-Unis désormais, et puis surtout elle vit dans le pays de la liberté. Donc elle espère avoir une vie meilleure, faite de choix et de libre arbitre. Malheureusement, elle est esseulée et bien décidée à se faire accepter de la famille de son époux dans laquelle elle vit, et aussi à se faire aimer de son mari. Donc elle va renoncer malgré elle à ses rêves et avoir une vie de recluse, ne sortant jamais de la maison familiale. Le poids des traditions et de la religion semble encore plus fort dans ce pays étranger, comme s'il fallait garder finalement un lien avec le pays d'origine et que ça passe par le respect de ses traditions. Donc on attend d'Isra rien de plus que ce qu'on attend d'une femme de manière traditionnelle, c'est-à-dire une bonne épouse hein, qui va donner à son mari des enfants, et pas n'importe quel enfant, des fils, pour perpétuer la tradition familiale. Elle vit aux côtés d'une belle-mère qui est tyrannique et qui va cesser de l'humilier, surtout par rapport au fait que Isra malheureusement ne va donner naissance qu'à des filles, hein, quatre filles. Et donc Isra, bah, sa seule possibilité finalement de se protéger, c'est de se réfugier à nouveau dans la littérature pour essayer de sauver ce qui peut l'être de sa vie et de sa condition de femme. Alors plusieurs années plus tard, Deya, sa fille, hein, la fille d'Isra, a 18 ans. Elle aussi, du coup, elle est en âge d'être mariée. Et comme sa mère Isra, elle rencontre en fait tour à tour les prétendants choisis par sa grand-mère, hein, qui est la belle-mère d'Isra, puisque Isra et son mari sont décédés, et que c'est donc cette belle-mère qui élève les quatre filles. Deya, elle est fougueuse, comme sa mère avant elle, elle rêve de liberté et elle ne croit pas du tout pouvoir trouver cette liberté dans le mariage.
Alors, la différence aussi avec sa mère Isra, certainement qu'elle, elle est née ici, aux États-Unis. Elle ne connaît pas la Palestine. Et même si elle est éduquée par une grand-mère hein, qui a à cœur de perpétuer les traditions, elle va à l'école aux États-Unis, elle rencontre chaque matin voilà, les habitants de Brooklyn. Donc, elle a une vision tout autre hein, de ce que peut être la vie. Alors comme sa mère, la question vraiment qu'on se pose, c'est est-ce que finalement elle va avoir le même sort que sa mère, c'est-à-dire rêver de liberté, mais être écroulée par le poids des responsabilités et de la tradition, ou est-ce qu'elle va réussir à sortir de cette condition de femme et du destin tout tracé qui lui est réservé. Alors c'est un premier roman qui est juste éblouissant, avec un texte extrêmement fort et des personnages extraordinaires. Ces femmes, elles sont d'une force incroyable et d'un courage inimaginable, y compris lorsque elles se soumettent. Et vraiment, dans ce roman, l'auteur nous parle d'abord de la puissance de la littérature comme moyen de se sauver et également des conflits intérieurs que peuvent vivre les femmes. Qui aspirent parfois autant à s'élever et à s'échapper des traditions qu'à respecter ces dernières. Donc c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée et qu'il faut vraiment lire, absolument. Donc je vous le recommande très vivement. Il s'appelle Le silence d'Isra. Il est publié donc aux éditions de l'Observatoire, écrit par Etta Froum. Et je suis sûre que vous allez adorer lire ces destins de femmes extraordinaires. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.